Au bout de 4 mois, Laurent songea à retirer les bénéfices qu'il s'était promis de son mariage. Il aurait abandonné sa femme et se serait enfui devant le spectre de Camille, 3 jours après la noce, si son intérêt ne l'eût pas cloué dans la boutique du passage. Il acceptait ces nuits de terreur. Il restait au milieu des angoisses qui l'étouffaient pour ne pas perdre les profits de son crime. En quittant Thérèse, il retombait dans la misère. Il était forcé de conserver son emploi. Laurent se trouvait ainsi attaché à Thérèse par un lien puissant. En dédommagement de ces nuits atroces, il voulut au moins se faire entretenir dans une oisiveté heureuse. Bien nourri, chaudement vêtu, ayant en poche l'argent nécessaire pour contenter ses caprices. À ce prix seul, il consentait à coucher avec le cadavre du noyé. Un soir, il annonça à Madame Raquin et à sa femme qu'il avait donné sa démission et qu'il quitterait son bureau à la fin de la quinzaine. Thérèse eut un geste d'inquiétude. Il se hâta d'ajouter qu'il allait louer un petit atelier où il se remettrait à faire de la peinture. Il s'étendit longuement sur les ennuis de son emploi, sur les larges horizons que l'art lui ouvrait. Maintenant qu'il avait quelques sous et qu'il pouvait tenter le succès, il voulait voir s'il n'était pas capable de grandes choses. Thérèse, les lèvres pincées, ne répondit pas. Elle lui donna à comprendre que s'il quittait son bureau, il ne gagnerait plus rien et serait complètement à sa charge. Tandis qu'elle parlait, Laurent la regardait d'une façon aiguë qui la troubla et arrêta dans sa gorge le refus qu'elle allait formuler. Elle crut lire dans les yeux de son complice cette pensée menaçante. « Je dis tout si tu ne consens pas. » Elle se mit à balbutier. Madame Raquin s'écria alors que le désir de son cher fils était trop juste et qu'il fallait lui donner les moyens de devenir un homme de talent. La bonne dame gâtait Laurent comme elle avait gâté Camille. Elle était tout amolie par les caresses que lui prodiguait le jeune homme. Elle lui appartenait et se rangeait toujours à son avis. Enfin, l'artiste s'installa dans son atelier. Laurent comprit qu'il avait trop regardé Camille à la morgue. Il redoutait de ne pouvoir plus dessiner une tête sans dessiner celle du noyé. Il voulut savoir tout de suite s'il était maître de sa main. Il posa une toile blanche sur son chevalet, puis, avec un bout de fusain, il indiqua une figure en quelques traits. La figure ressemblait à Camille. Laurent effaça brusquement cette esquisse et en tenta une autre. Pendant 1 heure, il se débattit contre la fatalité qui poussait ses doigts. À chaque nouvel essai, il revenait à la tête du noyé. Il avait beau tendre sa volonté, éviter les lignes qu'il connaissait si bien. Malgré lui, il traçait ses lignes. Camille, grimaçant et douloureux, apparaissait sans cesse sur la toile. L'artiste esquissa successivement les têtes les plus diverses. Des têtes d'anges, de vierges avec des auréoles, de guerriers romains coiffés de leurs casques, d'enfants blonds et roses, de vieux bandits couturés de cicatrices. Toujours, toujours le noyé renaissait. Il était tour à tour ange, vierge, guerrier, enfant et bandit. Alors, il n'oserait plus travailler. Il redouterait toujours de ressusciter sa victime au moindre coup de pinceau. S'il voulait vivre paisible dans son atelier, il devrait ne jamais y peindre. Cette pensée que ses doigts avaient la faculté fatale et inconsciente de reproduire sans cesse le portrait de Camille lui fit regarder sa main avec terreur. Il lui semblait que cette main ne lui appartenait plus.